Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On part sur l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Mais il a dit ça pour vrai. Il était voir ton live pour vrai par exemple. T'es en train de regarder des affaires d'horreur, quelque chose de même, là, comme d'habitude. Là. Des affaires d'horreur qui fait pas peur. Là. Tu sais, la carte avec les bougies flottantes. Ça, faut les. Faut trouver les bougies. Je sais pas où ils sont. Où. On va aller les trouver, elles, tiens. Mais je vais me streamer avec toi nu. On va avoir chacun notre OnlyFans. Ton rêve. L'endroit semble être assez agréable. C'est une étape que j'ai pas faite puisque c'est. Il montre les affaires de. Ah, vraiment, il les montre sur la carte, c'est ben stupide ça. Montre pas ça. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Waouh, les épreuves de Merlin sont sur la carte, ça c'est pauvre. Je vais me marier bientôt. As-tu hâte? Es-tu triste? Action. Aurais-tu aimé que je t'amène au Canada? Petite bitch. Elles sont toutes là. Action. Bon. Ah, je stresse pas. J'ai quelqu'un de confiance. J'ai pas été avec une fille qui avait 18 ans, là, tu sais, j'ai quelqu'un à mon âge. Est-ce que ce style brûlé de retardé? Bon. Un, deux, est-ce que la troisième? Rébellion. Ah, il est là. Action. Je
Ah bah oui, facile. Hop, tapez le caribou. Ouais, mais on aurait pu faire une troupe, mon pito, et puis Bernache, les trois. On attend un couple, les trois. On aurait fait des game bang, des threesome à tous les jours, mais non. C'est toi qui as choisi ça. T'es la seule qui a tout brisé. Ah oui! Je suis content. Et quel âge? Preuve de Merlin. Bon. Je garde ça, puis y a rien qui... Tabarnak. Réveillio. Oh. Ah, c'est encore les boules, tabarnak. Ouais, je comprends. Mais t'oses pas demander. Ça fait combien de temps tu baises avec? Tabarnak, fuck off. Les femmes de pire esti. Arrête là, j'ai envie de vous kicker dans le vagin esti. C'est pas... On est des ans. Ben oui, c'est ça. T'as détruit l'anus parce que vous êtes des anges. Non, mais sérieusement, ça fait combien de temps que tu l'embrasses, tu couches avec, peu importe. Il y en a une là, il y en a une là, puis il y en a une là. Mais j'ai pas une pierre, esti. Oh, là. La base d'un couple, c'est la sexualité. Oh shit, je m'attendais pas à ça. Mais non. Mais toi, tu veux être avec lui. La question était, ça faisait combien de temps vous baisez ensemble? T'es con, quoi?
En te connaissant, t'as couché avec lui la première soirée. Fait, je suis curieux, ça fait un mois, 2 mois, 3 mois. Je pourrais tarder quand même. Oh, tiens, yes. Si j'ai un orgasme, si j'ai trouvé. C'est une crise de faible. Respect sexuel, je connais pas ça, j'ai perdu ça fait longtemps. Bon. Femme qui dormait là, fouillée. Les symptômes du patient comprennent la peau semée de marques vertes, des étincelles qui s'échappent de ses narines, une éruption verte et violette entre les orteils et un cas typique de dargocèle potentiellement mortel. J'ai ressenti une deuxième dose de remède de gorgogement, mais cela n'avait pas l'air de suffire. C'est pourquoi j'ai également prescrit un élixir de dysphorie. Afin d'apaiser ceux qui seront probablement les derniers instants du patient, je dois affecter non mon matériel. C'est une maladie hautement contagieuse. Ça sent le sperme. Putain, t'es plus intelligent que moi sur les trucs de merde. Mais Chris, je suis plus intelligent sur toi, sur la planète, tabarnak. T'adore, je coucherai avec toi n'importe quand, mais exagère pas. Je suis Dieu. Je me prends pas pour un dieu, je suis Dieu. Arrête de pousser trop. As-tu pogné les pierres au début, là, quand tu dois aller... tu te rappelles, là, il y a une espèce de petit gars. Vierge Marie. C'est Vierge Marie, je vais te manger le cul. Ça, c'est une autre histoire. Mais, tu dois aller chercher le chariot, là. Au gobelin, puis là, t'arrives là, puis il y a 3 pierres. Tu l'as trouvé, le troisième set de pierres. Il est caché en dessous d'une petite montagne avec l'affaire de Merlin. Avec une troisième... Faut que tu mets du feu pour le sortir. T'as pas trouvé! Mais t'as trouvé l'affaire de Merlin. Là. T'en trouves 2 facilement, mais le troisième est caché à l'extérieur du fort. Mais l'affaire de Merlin et les pierres sont à l'extérieur. À l'extérieur, mais tu dois brûler. Il est cachant. Maudit Christ. Calice. Ah.
Mais c'est ça, au début, j'étais voyant-dedans. Hey, j'ai cherché tout. Je me disais, il n'est pas à l'intérieur de la forteresse, il va être à l'extérieur. Fait oui, je trouve le monument, il est à l'extérieur. Cherche les pierres, cherche les pierres, cherche, cherche, cherche. Cherche les pierres. Et finalement, c'est à l'extérieur. Mais les pierres comme telles, le dernier package, le dernier soupçon de pierre, il est caché en dessous d'une petite butte. Faut que tu brûles la butte. Faut que tu brûles les buissons, puis tu sors les pierres. Hey, j'allais pas abandonner, puis je me suis dit, je vais aller fouiller sur Internet. Puis finalement, j'ai pas abandonné. J'étais content là, de pas avoir abandonné. Là. Jusqu'à date, l'affaire de Merlin, il y en a une, j'ai pas. Il y en a une que j'ai pas réussi à avoir. C'est celui-là, ce que la femme, elle dit, tu dois tester la boisson de l'invisibilité. Puis il y a une grosse pierre, je dois l'amener là, mais j'arrive pas à la tirer. Mais je pense que j'avais pas la magie pour. Mais là, je savais pas que les pierres, les affaires de Merlin, on devait. Tu sais, il aurait pu nous les laisser dans le suspense. Hein. Il était pas obligé de nous les montrer ça à la map, là. Tu sais, comme, regarde, il y en a une là. Une là. C'est comme. Pourquoi? Une là. Mais pourquoi tu les mets sur la map? Ça pourrait être du random, là. Je comprends pas pour vrai. Je comprends zéro, esti. Mais pour vrai, ça. C'est mission en site, ça pourrait être. Je fais que du ça. Qu'est-ce que cela représente? Une épreuve de Merlin. Une épreuve de Merlin. As-tu commencé à faire des plantes, des potions, etc. Toi, et de la. T'as rien fait de ça ou t'es trop lâche? Est-ce que j'ai ça? Je sais pas c'est quoi. Ben moi, c'est mon rêve, tu me défends, ma belle. Ça m'intrigue. Oh, faut le défaire. Tabarnak est défaite. Et voilà.
Ah, moi je mettrai en pelle. Réveillon. Ah, ben, c'est toujours un mot pour tout. Ben oui, esti. On appelle ça la répartie. Mais Chris. Oh, il est là, tiens. Confringo. C'était pas si cool. Eh, je l'ai eu, oui. Je suis surpris, je l'ai eu. Tiens, je l'ai eu. Confringo. Même elle, même toi. Le vagin sucré de la France. Je suis surpris, je l'ai eu. Chris, j'ai dit sucré. Tu aurais pu dire le vagin salé, tabarnak. Mais non, si j'ai dit respect. Respect. Pour vrai, le fait qu'ils mettent les affaires, les points là, je suis tellement surpris. Pourquoi c'est pas comme... Cherche. Cherche, bitch. Parce qu'il y en a vraiment, j'en ai trouvé 8 environ au hasard. Mais comme, faudrait, ça serait au hasard. Un là, château. Il devait être très imposant du temps. Ah oui, de sa très imposant. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Oh, tabarnak, je n'ai plus. Range-moi le cul, toi. Et les pièces pour le coffre dans ton alliance, tu as trouvé. J'en ai trouvé 14 sur 18, ou j'en ai trouvé 12 sur 18. Une pièce, tabarnak. Oh, toi, c'est un bâtard. Moi, je suis un bâtard. Moi, je suis Dieu. On s'appelle ça Dieu, Harry Potter. Gryffondor. Moi, je suis Gryffondor. Ben, good, t'as trouvé un kin. De vivre dans un endroit comme celui-ci. Je suis en train de vomir. Pour te penser à toi. Non, mais je peux pas, tabarnak, j'en ai pas de cette petite graine de calice. C'est un enfant qui comprend pas. Je dirais, Gwen, je vais te trouver, je prends l'avion. Je dirais pas non. C'est pas la connerie. Et je dirais, je dois manger ton gros vagin. Tu dirais, ah, un gros vagin.
Mon gros vagin. Vous revoilà. Avez-vous fini vos devoirs? Oui. Me revoilà, professeur. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations, vous faites preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit. La sagesse est un vif d'or, et vous avez prouvé vos compétences en la matière. Entraînons-nous à Aresto Momentum, un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les souafles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Des mouvements précis et assurés. Aresto Momentum. Comprends pas, par exemple. Ouais, ok, je comprends, mais. On s'en calisse en bain. Très bien. Continuez à vous entraîner autant que possible. Peut-être même avant de sortir de la salle. Moi, je suis un homme que vive et laisse vivre jusqu'à temps que la concubine est à côté. Si la concubine n'est pas à côté, ça ne m'en pas. Je pose une question, c'est rare que je pose une question, mais tu peux y répondre. Bon, c'était pas la plus intelligente, là, mais. Je te niaise. Obtenir une mandragore. Une mandragore aussi, c'est quand tu lui poses la question, ils disent que c'est. Ouais, ok, ouais, c'est ça, ok. C'est là que l'autre pense. Attends. Siri, bitch. Bon. Tu vas à Aminentez et chien dedans. Je sais pas c'est où, ça. Oui, mais je l'ai pas, c'est l'affaire. Je sais pas c'est où Amanitez et chien dedans. Non, je l'ai pas trouvé, esti. J'ai fouillé comme un esti sauvage. Oui, ok. Mais je sais pas si... Ouais, juste... Je pourrais tarder, t'as pendant je sais que c'est Préola. Je la trouve pas. J'irai à Préola. Pic-pic. Ah, oh, tabarnak, c'est plus haut. Ok, t'as réussi, ma belle. Ouais. Bon. Donne-moi ton adresse. On va coucher ensemble une couple de mois. Asti, mes yeux vont pas bien, réveille-toi.
En route pour de nouvelles aventures. Good job, toi. Quel acquis tu fais? C'est 31 minutes. Pour vrai, je suis là encore pour 30 minutes de plus. Si tu me veux pour 30 minutes. Bon, si ça coûte moins cher de créer des plans que non. Si je devrais aller puis l'acheter parce que là c'est du niaisage pour moi. Descends, ferme ta gueule, c'est-y. Ben oui, tabarnak! Si. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais à quel. Ah, ben là, hein? Ça a pris du temps, je réalise que. Réveille-toi, mon petit cochon. Toi, je te watch, Gwen. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à prison. J'ai l'impression que tu es le petit cochon. J'ai l'impression tout d'un coup que tous les petits cochons. Je watch, Gwen. Je watch ton vagin sucré. Réveillio. Je m'occupe de vous tous. Sacré gang, sacré gang dans mes culottes. Sacrifice, sacrifice. Oh, je suis toujours ravie quand une jeune personne fait un achat judicieux. Vous irez loin, je le sais. Hey. Ma porte est toujours ouverte. Ton vagin aussi? Oh yeah! Watson! T'as joué toute la soirée sans moi, je t'ai vu, je t'ai suivi. Je te connais. Réveillon. Honnête, calice. Gwen, c'est lui, Watson, qui a dit que t'avais des gros totems, que t'es super belle. C'est lui. Bon, tu y joues à NHL. Bon, est-ce que je m'en vais? Rébellion. Just...
Ça dépend en quoi, babe? Excuse. Ça dépend à quel endroit. Ça dépend t'es où? Ça dépend quelle pierre? Jouer à Nature. Sucer à Nature. T'as sucé toutes les queues qu'il y avait à Nature, la petite calice. Revelio. Revelio. Les pieds de Merlin. Je vais te les rendre dans le cul un après l'autre, les pieds de Merlin. Je m'enrage. Lui. Il faut aller là. Je sors de là, je tourne à gauche. C'est là. Oui, c'est là. C'est là. La maison qui est là. La maison qui est là. Oui. Ravi de vous revoir. Je ne sais pas, Visti. L'amélioration de balai. J'apprécie beaucoup votre aide. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Ce balai fera votre bonheur. Le balai, rentre-toi dans le cul, puis chante des chansons. Oh, ok. Merci de votre visite. Je dois vous dire, la moitié de Préolard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris deux fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration. Plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces? Non. Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise. Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Je n'ai une, elle est là. Vous voulez bien y réfléchir? Pow, esti. Pouvez-vous m'en dire plus sur le parcours suivant? Ah ouais, c'est un saut d'ici, au sud de Préolard, dans un splendide cadre montagneux. Le parcours a été créé pour tester l'endurance des participants. J'ai entendu certains de vos camarades dire qu'ils y allaient, impatients de voir ce qu'Imelda leur réservait. J'ai été un peu surpris, car beaucoup d'entre eux exprimaient des réticences à l'idée de concourir contre elle. J'espère que cela ne vous découragera pas et que vous tenterez l'épreuve. Pensez-y au moins. Oui. Pouvez-vous m'en dire plus sur le parcours suivant? C'est un saut d'ici, au sud de Préolard. J'ai été un peu surpris, car beaucoup de... J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre. Si je peux aider, je le ferai. Oui, moi merci. Aussi. Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. Ben. Revenez au plus vite. Oui. Nous allons faire d'immenses progrès. Ben oui. Dieu existe. En route pour faire la course, alors? C'est quoi ça? Mais il est là. Ça, c'est un d'une compétition. Ah. Bonjour. Bonjour, cochonne. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona, et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami.
Je ne m'attendais pas à vous voir discuter avec moi. Moi non plus. Du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les trois balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Ouais. Je ne l'avais pas vu depuis des années, lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'ils s'adressaient à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock, ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. À propos de Ranrock. Call me, baby, call me. J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations plus jeunes, sur Ranrock, des plus laides. Et Gwen en fait partie, des plus laides. Savez-vous sur quoi Ranrock et Rockwood collaborent ? Tout ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à deux têtes. Nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter. Rockwood et Harlow n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur ? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes. Alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Oui. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Oui, je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils. Mais faites attention. Je vous en prie. Oh, deux guns tirent sur la tête. Pow, pow. Fini, esti. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard ? Ouais, moi. Qu'est-ce qui est ça, tabarnak? Mais non, c'est pas ça, tabarnak. C'est réciproque, Amit. En dedans? Oh. En dedans? Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverai sûrement ici. Oh, vraiment? La musique. Vous a-t-elle transmis un message? Attends, non. Let's go, ça vous sera avec les jeunes après. De Ranrock. En 15 minutes. Je me souviens de vous. Aux trois balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qu'ils recherchent. C'est bien moi, et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Je suis trop saoul prendre un coup, c'ti. Fatigué, je suis mort, c'ti. Mais ça ne dérange pas. Me fesserait la face dans le mur un petit peu, en tout cas. Selon Sirona, nos intérêts convergent. Elle avait peut-être... Je fais ça comme ça. Eh bien, si Sirona nous prête les mêmes objectifs, alors on peut-être va être en pour état... nous faire confiance. Après ce mission-là, je suis correct. J'ai pas joué une heure. Un moyen d'aider notre cause. Une heure ou deux. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière... reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose. Let's go, on y va directement en ranked, en gang tout. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Si
Si je récupère la relique, qu'est-ce qui me garantit que vous me direz la vérité sur les plans de Ranrok ? La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous, que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt. Hostie. Encore qu'il me fait promener, tabarnak. Ça va pas finir là. Chris, je peux pas sortir de là. Je suis aveugle. La porte est là. Chaque soir. Votre cœur, je trouve pas. Je trouve pas pour aller plus loin. Gwen adore, respire. Bon, il est là. Bien. Ne perdons pas plus de temps. Ma crise de bitch. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver ? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. Oui, c'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Ok, mais j'ai pas envie, tu me suis... J'ai envie de finir ça là. Gwen, elle peut pas. Merlin est plus smart qu'elle. Chante là la chanson. La chanson de ma vie. La chanson de mon cœur. Chante là la chanson. Je reste en live chez Frère Merlin, je te ramènerai, moi. Je te montrerai c'est qui Dieu. Esti. Moi, je suis, je kickerai dans la face dans le vagin de la plotte. Esti, je suis tanné. Pourquoi c'est si lent de te suivre? Pourquoi j'ai besoin de te suivre aussi lent? Marche pas vite, Esti, j'ai envie de le tuer, tabarnak. Esti, j'ai envie de le vivre. Je savais, ouais, ce serait... C'est ça qu'il faudrait faire. À part ce mando, ma grosse pute, on y va, là. Tabarnak, le calice de Christ. C'est lent. Ah, et la voici. La tombe de la sorcière. Cet endroit fait froid dans le dos, non? Hey, j'ai déjà été là, par exemple, esti. Il y a une affaire de Merlin pas loin. J'ai déjà été là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, on va plutôt ensemble, là? Je vais regarder aller, je vais te rattraper après, je suis tanné. Oh, tiens.
C'est arrêté, mais il a continué pareil. Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Et ce home, qu'est-ce qui le rend si spécial? Le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins, et pour Ranrok. Il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Il semblerait que Ranrok et Rockwood se soient associés. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Game, babe. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurai affaire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire, il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme Inferi. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. Do you know what? I already told you about Harry Potter, but before that. By playing, so I have to leave you alone. Tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Bye. Je vais rester ici à attendre votre retour. Faites attention à vous. Pas de bonne humeur quand je fais ça. Bon, ce que je suis. C'est niaisage. Rébellio. Là, ok. Ok, voilà. Ah, la porte ouverte, c'est facile. Tabarnak. Elle était pas ouverte normalement. Ouais, le tambour est dans ton anus. Ok. La grande tombe. Par là, c'est la fin. Par là, c'est. Non. Par là, c'est le début, c'est la fin. Revelio. Hein? C'est verrouillé. Lumos. Il manque un maringouin. Lumos. Des papillons. Étrange. On vous laisse la crise de porc. Là, il faut avancer, là. La barbe de Merlin. Le vagin de Merlin. Revelio. Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Lumos. Ah bon.
Rebellion. J'en ai deux sur trois. Est-ce qu'il y a le troisième? Tabarnak. Lumos. J'ai ouvert ça déjà. Il n'y a pas d'autre d'ailleurs. Il en manque une. Ok. Lumos. Non. Confringo. Action. Bah, trouvé. Lumos. Bon, j'ai trouvé. Et voilà, ouvre-toi. Gwen, as-tu pas ça, toi? Lumos. J'ai l'impression que je suis pas seul ici. Lumos. Je vais pas aller chez le deuxième gardien, j'ai pas le temps de me battre contre lui. Non, je me sauvegarder avant là. Lumos. Non. Lumos. Ah. Oh. Le deux là. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Lumos. Okay.
Primos. Marche pas. Ah ouais, je suis. Il y a un symbole de papillon là-dessus. Oui. Le même que sur la porte. Oui. La porte où ? Quelle porte ? Asti, j'avais pas envie de ça. Ouais, mais il en manque une. Elle est l'autre charrue. Réveillon. Lumière, ouais, je sais, je pourrais tarder. Mais. Ah, oh, il est là! Ah, c'est il est là, le papier. Ah, ok. Tabarnak. Ok, je comprends. Lumos. Bitch. Ouais, elle est rendue point, elle commence avant moi. Lumos. Ok. Je vois, c'est censé tourner. Mais comment ? On voit le temps. Bon. Je l'ai eu parce que je suis un esti Dieu. Oh, Lys. C'est-tu que je suis bon ? Je me crosserais live si je pourrais. Lumos. 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 Et voilà. Vous êtes chanceux, je peux pas me masturber en live par tabarnak, je ferais. Pas l'air de bien tenir. Action. Deux.
Lumos. Préparo. Rebellion. Calice. Lumos. Je dois attirer cette plateforme vers moi. Okay. Comment faire ? Lumos. Je t'en ai perdu. Et je regarde le coffre, on s'en corrige sur le style. Lumos.
Ça marche pas. Ah. De l'autre côté. C'est verrouillé de l'autre côté, je comprends pas. Rebellion. Lumos. Ok, je comprends. Attends. Rebellion. Je passe pas là. Répression. Les violons. Action. Wow. Je vais descendre. J'ai pas le choix. Tabarnak, ça a pris du temps. T'as pas pu le dire, toi, mon inutile. J'ai remonté en haut, Chris. Je vais sauvegarder là parce que je vais essayer une autre fois. Là. J'ai pas envie de. Mais là, je m'enligne pour plus qu'une heure de game. Là. Et j'ai zéro envie de ça. Là. Go.
Oui. D'accord, là... Watson. Et où l'autre? Et où la porte est-ce? Là? Et là? Lumos. Asti, je viens de trouver ce qu'elle est. Tabarnak. Tourner ceci devrait faire monter la plateforme. C'est sûrement la clé. Réparons. Lumos. Comment je vais faire? C'est possible. Lumos. Action. Je dois amener les papillons jusqu'à la porte. Ouais, ça j'ai compris, tabarnak. Je pourrais tarder. Ah, il y en a. Ah, il y a plus qu'un papillon, j'ai compris. Il y a 4 papillons. Lumos. Lumos. Réception. Réception. Lumos.
switch un peu en haut. Lumos. Lumos. Comment je peux oser faire ça, mon maudit tabarnak? Ah, je comprends. Je viens de comprendre. J'ai compris. Lumos. Là, tu compris? Moi, j'ai compris. Lumos. Et voilà. Ça fait du temps, mais j'ai compris. De la sorcière. Lodgok a dit que le home se trouvait dans son... Focus now. Lodgok ne va pas être content. Rebellion. Je dois montrer ça à Lodgok. Lodgok. J'aime pas ces qui tabarnak. Il doit y avoir une sorte de mécanisme pour cette porte. Ok. Bon. Lodgok.
Ah, c'est lui, ok. À côté d'abord, mec. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Monsieur Watson, on joue-tu à... Apex? Et voilà. Action. Tu vois bien interférer dans nos affaires avec cette femme obsédée. Il est encore plus facile à repérer. Arrêtez de faire. Inarrêtable, hein? J'ai dit ça, la crème de roche. Lâche-moi. Action. Confringo. T'as tout à fait. T'es encore dans la bouche. Comme si tu pouvais me jamais. Expulso.
maintenant que je suis mort. Fuck, calice. Il y a un mélange entre les deux mondes, c'est pas lui, il se bug entre eux autres, puis... La crise de gamique. Sauvegarder parce que je suis rendu une bad luck esti. Réveillon. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour Rockwood. Facilite pas trop là. Reducto.
les deux. Fuck. J'ai même Protego aussi. C'est quoi? Mais je me pose c'est quoi? Placement dans le... Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire ? J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo ! Nul doute que Ranrok sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ses gravures, ses superbes courbes. Ah, il est remarquable. Ce home ne m'a pas l'air si spécial que ça. Ta ! Vous ne regardez que l'objet sans vous intéresser à ce qu'il raconte. Pour la plupart des gobelins, il s'agit de bien plus. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrok devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches ? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. Ah ouais, Apex Legends. J'ai bien fait de vous faire confiance. 3-4 games. Nous discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. Et voilà.
Excellent. Sans les arbres. Yolo. Salut Gidius, comment ça va? J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolar. Ouais, je pense pas. Peut-être c'est là, mais. Tout à l'heure, pendant qu'on se battait, fait que je faisais de quoi, puis j'ai oublié. J'avais même. Calice. Ah, c'est vous! Quelle agréable surprise! Bon, je vends des graines de douce, ça. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Lève-toi, toi, mon petit lapin. Gwen est déjà en train de dormir. Elle se touche. C'est là qu'elle se touche. Tu... Quel plaisir. Papa! C'est fini! Que me réserves-tu cette fois-ci? Ah, ça c'est facile. Action. Ah, j'ai fini. Gwen, as-tu appris de ça? As-tu pris la peine de regarder comment je suis un dieu?
ne me souviens plus si j'ai installé les pièges. Confringo. Action. Ok, ça marche. Je n'ai jamais vu une telle expression de terreur. Une fourmi a plus de cran que vous. J'en ai un. Il y a quelqu'un? Peut-être le dîner qui est servi. Action. Crescendo. Leviosa. Fringo. Lumos. Préparons. Fringo. Leviosa. Action. C'était pas le temps. Pas rendu là. Ah, il y en a d'autres là, mais. Ouais. Je sais pas quoi faire. C'était... Tantôt. Action. Les pures sont. Vous savez. Vous ne devrez pas voler les hommes comme ça. Les pions sont eux. Arrête. Action. Confringo. Fingo!
Lumos. Reparo. Confringo. Defendo. Leviosa. Action. Repulso. Leviosa. Defendo. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Revelio. Non, c'était tout pour l'aventure. The Horse World Legacy, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!